Bonjour à tous, voici le tirage pour nos amis vierges pour la semaine du 5 juillet 2021. Alors, au niveau de l'état d'esprit de nos amis vierges, on est sous l'étoile. Donc, on est placé sous vraiment le signe de la bonne étoile, donc une semaine qui normalement devrait plutôt être une semaine calme, équilibrée, sereine, sous de très bons auspices. Maintenant, au niveau affectif, pour nos amis vierges, donc on a le jugement. Et le roi d'épée. Alors, le jugement et le roi d'épée, globalement, ce sont des lames qui indiquent un équilibre, une harmonie au sein du foyer. Mais il y a quelqu'un, en fait, le roi d'épée, une personne autoritaire qui a tendance un petit peu à vous brider cette semaine. Donc, je ne sais pas si dans votre environnement familial, vous n'avez pas quelqu'un d'un peu autoritaire, peut-être un peu âgé, qui a tendance à un petit peu contrecarrer vos projets au niveau donc familial et affectif. Donc voilà. Maintenant, au niveau financier et matériel, on est sur donc le chariot. Donc ça, c'est une lame plein d'entrain, d'énergie. Et on est donc sur le valet pardon, de bâton. Alors, donc le valet de bâton indique en fait que quelqu'un dans votre environnement. Là, pour le coup, c'est quelqu'un de jeune. Ça pourrait être un agent immobilier qui vous fait des bons placements, un banquier qui vous fait des bons placements. Mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous en ce moment qui est bon à écouter, qui est plus jeune que vous et qui pourrait vous donner de bonnes solutions financières ou de bons placements à faire. Donc, tendez l'oreille, amis vierges, on ne sait jamais. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur la papesse. Et on est sur le 8 de coupe. Alors là, au niveau professionnel, soyez discret, très discret sur vos projets. Parce que la papesse et le 8 de coupe vont dans le même sens. C'est faites des projets, mais surtout n'en parlez pas. En fait, parce que il pourrait y avoir des fuites, il pourrait y avoir des médisances. Donc gardez bien vos projets pour vous. Faites-les tout simplement, travaillez-les. Vraiment continuer, mais faites attention, non, ne parlez pas trop cette semaine. Maintenant, au niveau donc de l'atout, c'est la force et donc le 7 de coupe. Alors tout simplement donc indique que vous aurez beaucoup d'énergie, que vous aurez donc la pêche cette semaine, que donc c'est une très bonne semaine. Soyez juste un peu vigilant donc au niveau professionnel, ne parlez pas trop. Essayez de penser dans votre environnement financier et matériel à quelqu'un de jeune qui pourrait vous donner de très bons conseils. Et donc, au niveau affectif, ne vous prenez pas trop la tête avec quelqu'un autour de vous qui serait autoritaire, ça n'en vaut strictement pas la peine. Donc voilà, une très bonne semaine pour vous, amis vierges.